Salutation tout le monde, nous remercions le fait qu'on branche son nom et que toujours t'attend nous. Léa, je vous dis assez exactement et mardi 25 janvier 2022, grand point cap dominé actualité à surtout. Nous parlons dans Abdou que service immigration américain mettait ancien sénateur Jean-Charles Moïse dans un avion dans direction Haïti dans le moment où il était sous fait un viron en Afrique et débarqué dans l'aéroport international Miami. Mais première déclaration depuis de ça il a fait dans l'aéroport international de Port-au-Prince mardi 25 janvier. Ah, son belle tournée. Mais fin tournée le fin en catastrophe. Mm-hmm. Ça qui passé. Pendant m'a checké moins d'argent vienne prendre. Il y a la veille. Pendant m'a demandé dans ma nouvelle dans ça me dit Madolo. Je ne parle pas avec Madolo. Mais je dis non, ça va pas être bon. Ça va être en Afrique. Je me dis comment mal visite Afrique. Quand je me dis que ça me dit avec chaque monde, je me dis que je suis en Afrique. Je me dis que je ne vais pas parler. C'est quand je me garde, je me mets dans la salle, et puis je prends l'autre monde qui est avec moi. Je cherche autour de moi. Après, je quitte mon aller, je dis que je vais aller, moi, au Kembem. Et puis, à soir, vers minuit, je me mets dans la prison. C'est vers 8 et 9 heures, je me frappe. Je me dis, il y a beaucoup de gens qui sont là. Et vous avez la passion. Donc, ils ont interprété ça qui passe. Ils ont interprété. Beaucoup interprété, non? Mais c'est qu'on y a pour comprendre pourquoi il y a un dirigeant qui fait pour la responsabilité. Mais, d'abord, les gens ont réagi, quand ils me frappent au fond. Et l'idée de ça, Sandra, bonsoir. Bonsoir, Jean-Ro. Bonsoir, jeune tout le monde. Donc, et nous parler avec service la douane, avec garde frontière États-Unis, Customs and Border Patrol, lire les en anglais. Et Messa, un porte-parole, dis-nous le nom de lui, pour qui raison que you déporté ancien sénateur Moïse. Il dit, pour protéger vie privée citoyen, service la douane avec protection frontière pas capable de détails précis sur ce qui passé l'un au monde arrivé aux États-Unis, ni sous processus immigration. Il y a un règlement précis dans la loi immigration États-Unis qui baille 60 raisons qui la cause nous pas qu'à accepter pour un monde entrer dans le pays, non. Loi ça, il y a plusieurs catégories principales. Parmi eux, gagner santé, condamnation pour crime, raison sécurité, charge publique, loi travail, entrée illégale à violation immigration, documentation à quelques autres raisons encore. Tout le monde qui voulait entrer aux États-Unis a fait face à une inspection complète de l'arrivée. Mais réponse que yo ba nous, Jean-Ro, donc yo pas dit nous exactement qui laisse dans point ça yo, dans catégorie ça yo, qui applicable pour Moïse Jean-Charles, mais yo fait connaître que n'importe qui monde qui voulait entrer aux États-Unis capable de faire face avec une inspection complète de l'arrivée dans le pays. Donc ça veut dire qu'il y a un règlement que tout voyageur, quand on est sur le territoire américain, en cours de suivre, sous pas suivi, et Border Patrol, il est capable de pas quitter, autoriser, rentrer sur le territoire américain. C'est ça, je comprends. Exactement, exactement. Et on connaît que le règlement est très sévère, on n'a pas appelé les spectateurs nous, avec auditeurs nous, ça, il est très sévère aux États-Unis, à cause de la pandémie COVID-19, là, avec et une crise migratoire que le gouvernement américain a essayé de gérer. Donc, je ne peux pas suggérer que c'est une raison ça yo, qui fait que il n'a pas quitté Moïse Jean-Charles entrer dans le pays, hein, mais n'a pas rappelé tout simplement que gain ça tout qui existait aux États-Unis qu'on y est là par rapport avec l'immigration. Merci, Ambitien Dalemé.